Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. Donc vous avez certainement vu l'intitulé de la vidéo, je pense, et puis de toute façon vous voyez ici en image. Hein. Comment vous expliquer cela? Alors vous savez tous que j'ai acheté le jeu, heureusement, fort heureusement, sinon j'aurais pas acheté cette merde. Mais le gros souci c'est que j'ai très peu le temps pour le finir. Parce qu'il faut que je rende la Wii U à mon neveu, parce que c'est pas la mienne la Wii U. J'ai acheté le jeu, mais j'ai pas de console Wii U, donc forcément, j'ai pas trop le choix, quoi. Il faut que je le finisse très rapidement. Et pour le finir très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un guide. Il faut avoir un guide. Il faut avoir un guide. Alors, du coup, moi, j'ai acheté le guide, quoi. 19 euros. Mon téléphone qui sonne, mais c'est pas grave. 19,90 € le guide. Donc, à Micromania. Et en plus, avec le guide, ce qui est cool, c'est putain. À l'époque, les jeux sur la Super Nintendo, notamment donc Zelda 3, A Link to the Past, étaient fournis avec une carte. Mais pas dans cette boîte Wii U de merde, hein. Il n'y a pas de carte dans cette boîte, hein. Je vous confirme, hein. Regardez, je l'ouvre, il n'y a rien, il y a juste de la pub, il y a des avertissements sur l'épilepsie et tout, bordel bidouchouette, voilà, bon, c'est cool, hein, c'est cool. Mais il n'y a pas de carte, quoi, il n'y a pas de carte comme à l'ancienne. Alors du coup, avec le guide, bah, il t'offre la carte. Il t'offre la carte qui est juste là. Voilà, il t'offre la carte. Donc c'est cool, c'est bien ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien, tu vois. Au moins j'ai la vraie carte sous les yeux. T'as vu, si j'ai un problème, je sors la carte, hein, comme si j'étais un vrai aventurier. Donc du coup, je sors la carte et voilà, nickel. Du coup, donc j'ai acheté ce guide, hein, 19,90 €. Je l'ai réservé hier, je suis allé chercher ce matin. Donc du coup, parfait, nickel. Et qu'est-ce qui se passe? Donc dans le stream du format, il avait parlé d'une figurine Amiibo. Il parlait de la figurine Twilight Princess. Donc, en gros, si tu avais cette figurine, tu pouvais avoir le loup dans le jeu. Voilà, donc tu pouvais avoir le loup dans le jeu. Alors du coup, moi, comme un petit con de fils de Bourges, j'ai demandé au vendeur, j'ai fait, excusez-moi, vous n'avez pas la figurine du loup là de Twilight Princess? Il m'a dit, attendez, je vais regarder. Oui, il m'en reste trois. Je dis, ok, putain, il vous en reste trois. Ben, ok, j'en prends une. Donc j'ai payé la figurine 16,99 €. 16,99 € la figurine, donc il est juste là, hop, voilà, donc superbe, hein. Elle est superbe cette figurine. Mais le problème, donc j'ai lancé mon jeu, j'étais tout content, hein. J'étais comme un enfant, j'étais tout content, j'arrive, tac, je prends ma tablette, je prends le truc, je prends le truc comme ça, je pose dessus, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez, il n'y a rien qui se passe, il est où le loup? Il est où le loup? Il n'y a pas de loup, il n'y a pas de loup. Donc, je sais pas comment ça fonctionne cette merde. Alors, juste pour info, quand même, j'ai activé dans les options, je vais vous montrer. J'ai activé dans les options la fonction Amiibo. Alors, j'appuie, voilà. Donc, Amiibo utilisé, oui ou non. Vous le voyez pas très bien, mais c'est juste là. Amiibo utilisé, j'ai mis oui. Et en fait, ça marche pas. Donc, aidez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai acheté une figurine 17,99 € que j'ai déballée, mais 16,99 € que j'ai déballée, mais ça ne fonctionne pas, quoi. Le truc, il marche pas. Moi, je voulais avoir un toutou dans mon aventure avec Link, mais ça marche pas, quoi. Merci Nintendo, hein. Putain, tu m'as fait dépenser 100 euros là. Merde, fais chier. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Plus sérieusement, c'est un jeu qui déchire sa race, c'est un chef-d'œuvre. Hein. J'ai fait 25 heures de jeu. J'ai même pas avancé d'un poil dans l'aventure, c'est un truc de fou. J'ai fait 25 heures de jeu et j'ai pas avancé d'un poil dans l'aventure. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis promené, j'ai récupéré des objets, je suis allé à gauche, à droite, machin, etc. Et j'ai même pas joué encore. J'ai pas débloqué la quête principale. C'est-à-dire que j'ai fait que me promener. Donc, pour vous dire que c'est vraiment un bon jeu que je conseille totalement à tous. Donc voilà. Bon, j'ai fait des achats à la con, hein, j'avoue, mais voilà, c'est un jeu qui est super bon, quoi. Je vous le conseille totalement, achetez-le, hein. Même Day One, achetez-le, parce que c'est un jeu qui déchire. Bref, sur ces images, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous et à toutes, ciao ciao.